Je peux vous aider? Rien ne vous y oblige. Vous n'êtes pas payé pour ça. Je suis payé pour vous répondre avec politesse. Et je vis de mon salaire. Je cherche Beaumarchais et Walter Scott. Vous savez où ils se trouvent? Je vous demande un instant, je ne suis pas encore habitué. Et le mémorial de Sainte-Hélène, il y a ça ici? Ou alors dans votre chambre, peut-être? Walter Scott. Il me semble en avoir vu un volume ce matin. Moi, mademoiselle, je crois que la France n'a jamais été aussi haut dans l'estime des peuples que pendant les 13 années au cours desquelles l'empereur a régné. Régner, c'est bien le mot. Avec ses chambellans, sa noblesse de dentelle et ses réceptions, il a rendu à la France toutes les niaiseries d'avant la Révolution. Ce n'est pas tout ce qu'il a fait. Faire tuer 10 000 soldats sur les champs de bataille, c'est plus courageux, en effet. Oui, mais il y a-t-il lui sur les champs de bataille? C'est plus risqué que de se retrancher dans les beaux quartiers en tremblant de peur que la Révolution ne revienne. Walter Scott, évanoui, voilà. La règle étant de ne parler à dîner ni de Dieu, ni du roi, ni de l'opposition, ni de la Révolution, surtout pour en dire du bien, il ne nous reste plus que le temps qu'il fait. Moi aussi, je trouve ça mortel.